premier roulage du tramway sur toute la ligne T1 ce matin. Une cinquantaine d'années s'est écoulée depuis le vieux tram toulousain, exposé rue Alsace-Lorraine jusqu'au 22 septembre. Aujourd'hui, la rame peut accueillir 209 personnes sur 32 mètres de long et 2,40 de large, un peu plus que le métro. Accessible aux personnes à mobilité réduite, spacieux, lumineux, sa vitesse moyenne est de 20 km/h. Petit bémol cependant constaté lors de ce premier test. Il manque juste une barre à ce niveau-là par contre, ça serait pratique. Pour un petit peu d'à-coup sur les démarrages et les arrêts, mais c'est raisonnable. Une fois en exploitation, il y a un retour d'expérience, il y a des choses à adapter, on les adaptera naturellement. Mais sachez que la conduite que vous avez eue aujourd'hui ne sera pas la conduite normale en exploitation, ce sera naturellement plus souple. Là, vraiment, on était en période de test. Les essais vont se poursuivre jusqu'à la mise en service le 27 novembre prochain. Le grand test sera celui de la sécurité. Les Toulousains vont devoir être attentifs à la signalisation et à la circulation des rames.